L'aile du carré, c'est quoi? C'est côté au carré. Bah oui, côté au carré. Comment on détermine l'aile du rectangle? L'aile du rectangle. Longueur fois largeur. Non, c'est... Si, longueur fois largeur. Non, un rectangle. C'est quoi l'aile du rectangle? Si, si, c'est longueur fois largeur. Et l'aile du carré? C'est que... longueur fois largeur. Ouais. C'est, longueur c'est un côté, c'est un côté au carré, ouais. Côté au carré. C'est longueur au carré. L'aile du carré, c'est quoi? C'est côté au carré. Bah oui, côté au carré. Ok. Bien sûr. Ouais, sûr. C'est pas ça. Alors, culture générale. Comment s'appelle l'ex premier ministre de la France? Non, c'est sa première. C'est celle de maintenant. L'ex premier ministre de la France. Elle a démissionné. Oui, c'est Elisabeth. Ah bah donc c'est Elisabeth Borne. Elisabeth Borne. C'est Elisabeth Borne. Elisabeth Borne. Ouais. Et comment s'appelle le ministre de l'Intérieur? Là-bas. Oh putain. Regarde, c'est l'avocat là. Tout simplement une hallucination collective. Le ministre français de l'Intérieur, son nom. C'est pas Darmanin. Non, je sais pas. Non, c'est pas Gérard Darmanin. À qui la faute? À qui? Non, je l'avis, je sais pas celui-là. Le ministre de l'Intérieur. Moi je dirais Non, c'est Premier ministre. C'est Premier ministre et. Non, moi je dirais Darmanin. Ouais, je sais pas. Ouais, c'est Darmanin. Ah, c'est chaud. Et comment on appelle l'actuel ministre de l'Éducation et de la Jeunesse? C'est une femme. Amélie Oudah Castéra. C'est pas elle. Oh, putain, elle a il eu est des trop polémiques chaud, à son lui. Sujet. Il donc. Blagues, comment commence par B? Le sort pas Brigitte Bardot. Non, je sais pas. Votre ministre de l'Éducation, c'est qui? Ministre de l'Éducation, c'est pas. Bah si, c'est Gabriel Attal. Mais non, c'est non, le Premier ministre. Gabriel Attal, il était ministre, mais non, là il est Premier ministre. C'est une femme. Mais oui. Mais laquelle? Elle s'appelle Belloubet. Ah ouais, non. Alors, le mandat du président de la République, c'est combien, c'est combien d'années? 5 ans, quinquennat. Quinquennat, 5 ans. C'est valable ou pas? Hein? Oui, 5 ans. Deux fois. Il pouvait pas passer deux fois, genre. C'est deux fois ou une fois? Deux fois. On peut faire deux mandats. Faire deux mandats, après c'est tout. Là, c'est renouvelable deux fois ou une fois? Deux fois. Une fois. Ah oui, non, une fois. Ok. Alors là, on est à Lille, là. À quel département français appartient la métropole de Lille? 59. Non, le nom du département. Nord-Pas-de-Calais. Non, c'est Nord. Nord-Pas-de-Calais. Le département, c'est Nord. Nord-Pas-de-Calais, c'est chez moi. Oui. Lille, c'est Nord. Nord-Pas-de-Calais, c'est au-dessus. Moi, je suis dans le Pas-de-Calais. Au-dessus, c'est le Nord-Pas-de-Calais avec Lille. Mais oui, mais le département. Nord-Pas-de-Calais, c'était l'ancienne région. Maintenant, c'est Hauts-de-France. Hein. Oui, mais le département, c'est Nord. C'est Nord. Nord. Ouais, c'est Nord. Nord-Pas-de-Calais et Lille, c'est Nord-Pas-de-Calais. Ouais, non, la ville de ma mère, c'est Nord. Non, je te jure, c'est le Nord. C'est Nord. C'est le Nord. C'est le Nord. Ah ouais. Alors, est-ce que vous me citez 5 pays de l'Union européenne? Pologne, Allemagne, France, Belgique, Espagne. Espagne. Toi? Deux autres, à part ce qu'ils ont cité. Je sais pas. Moi j'en ai Portugal. Moi j'ai il y a Luxembourg et Pays-Bas. C'est ça. Merci à vous.